NK. C'est qui Larson. Bing. Unity. Yeah. À chaque fois qu'elle dort son fils, on est là pour les aider. Les BBT sont en orbite. On fait notre mieux pour les sommer. À chaque fois qu'elle dort son fils, nous on est là pour les aider. Les BBT sont en orbite. On fait notre mieux pour les sommer. Je crois avoir quelque chose. Je vais pas me répéter. Et après vous avoir dit ça, il va falloir agir vite. Je vous avais déjà dit que j'avais déjà vu Lola il y a 2 ans. Ouais, mais attends, on était persuadé que c'était en mission. C'était pas mon cas. Il y a 2 ans, j'ai déjà vu Lola. Sur le téléphone de Liam. Liam ? Attends. Qu'est-ce que fait une photo de Lola dans son téléphone ? J'ignore, mais... J'ai une théorie là-dessus. Il y a 2 ans, c'est peut-être elle qui a agressé Liam. Tu sais, dans la cage d'escalier. Admettons. Imaginons qu'ils se connaissent depuis 2 ans. Comment il a pu avoir une haine aussi grande envers elle pour faire un truc aussi excessif? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand j'ai vu l'agresseur se faire agresser, ben, il y avait les mêmes signatures au niveau des blessures. Ben, coup sur le visage, lacrymogène. Il était venu à l'époque pour faire un stage pendant 2 jours et tout, et bon, déjà on avait décelé qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui, mais bon, vu que tout se passait bien, on l'a laissé et puis... On l'a retrouvé, dans la cage d'escalier, yeux rouges, ensanglanté, en pleurs, en répétant cette phrase, femmes sont toutes des salopes. Chou. Ouais, c'est vrai que à cette époque-là, là, il avait un degré de négro-fragile très 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 élevé. Bon, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de le prendre sous mon aile. C'est qui ce Liam? Un ancien stagiaire. Oh putain, mais comment on a pas pu faire ça plus tôt. Retrouvé agressé dans une cage d'escalier 3 jours après une journée de stage au sein de la BBT. L'agent Carlton a fait le bilan de l'état de la victime. NF de 4e degré. Préconisation, le recruter pour une formation au sein de la BBT en tant que stagiaire. Observation obligatoire. Et voilà comment il a tourné. Il a dû voir que son stage se passait pas bien et donc il a voulu se venger contre nous. Comment il s'y est pris? Vous vous rappelez les coupures de courant qu'il y a eu au QG là? Ouais. Bah, Liam il disait qu'il avait fait un BTS ou un DUT en électricité. Ouais, je vois plus rien, ouais. Moi je pense qu'il a magouillé le système électronique du QG. Et l'électricien que tu lui as demandé d'appeler, il ne l'a jamais fait. Sérieux? Ouais. Ah, et comme ça il pourrait mettre les droits sur l'ordinateur de Carlton. Attends. Il est rentré dans mon ordinateur pour me faire passer pour coupable, c'est ça? Attends. Il y a un truc que je comprends pas. Il était absent encore récemment. Comment a-t-il fait pour gérer à distance? Sérieux, Carlton? Tu sais, de nos jours, les pirates informatiques font ça avec les doigts dans le nez. Et vu qu'il avait accès à tes informations, et qu'à chaque fin de rapport et à chaque fin de mission, tu mets tout sur ton PC, il a dû y avoir accès. Le voilà l'élément déclencheur. Maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, on fait quoi? On regarde l'application pour chercher des pistes? Ok, allons-y. Bien dormi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'étudier l'application depuis tout à l'heure. Il va bien avoir une faille dans ce truc. Une faille? Bah, si je m'en tiens au profil type de Liam, je vois pas pourquoi il s'arrêterait seulement sur détruire la BBT. Il est fou ce mec. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, déjà ton récit. Tu m'as dit que pour te draguer, il a voulu te faire boire. Eh bien d'accord. Ouais. Bah, regarde ce qu'il a proposé aux gens sur l'appli. Oh, buvez là chez vous. Il y a une option qui a été débloquée sur l'application. Avec le compte premium, tu reçois des événements cachés. Il y a des événements existants. Des événements cachés? Genre un rallye sur Paris en pleine fête? Ouais, exactement. Et du coup, là, bah, le compte premium, il nous informe qu'il va y avoir un nouvel événement à 10h et il est... Il est 10h, vas-y. Quoi? Lola? Oui? Tu peux regarder, s'il te plaît, sur Facebook? C'est pas un événement étudiant qui a lieu genre demain au Jardin des Artistes? Ouais, attends. Ouais, rien de méchant. C'est un rassemblement annuel d'étudiants. Il y aura à bouffer, de la musique,
C'est une petite fête où les étudiants fêtent la fin d'année. On est dans la merde. Qu'est-ce qui se passe? On va tout droit à la catastrophe. Le premium de cette application annonce la fiesta des BBT. Quoi? La fiesta des BBT. Malgré le bad buzz commis par notre dernière action, nous sommes de retour pour ce nouvel événement. Tous les gens qui aspirent au charisme du vrai mal ont rendez-vous pour notre journée chasse au trésor. Le principe est simple, pécho un maximum. Toutes les techniques sont autorisées, même les plus folles. Lieu de l'événement, jardin des artistes. C'est un événement caché. Seuls ceux qui ont le code premium sont au courant. Et bien sûr, ceux qui ont le code premium, ce sont tous ceux qui sont prêts à tout pour... Ouais. Et tout cela avec les étiquettes de la BBT. William ne veut pas nous lâcher. Hein. Ah, l'événement, c'est quand? C'est demain. Putain, c'est demain. Et Ah, demain, c'est le mariage. Ah ouais. Putain, et demain aussi, c'est le jour de mon jugement, là. Putain, comment on va faire? C'est quoi, bienvenue? Je vais t'occuper de ton avenir, d'accord? De toute façon, la BBT est pratiquement détruite. Puis là, vu comme c'est parti, c'est sûr que je vais te condamner. Non, mais écoute, ok, je peux me marier, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que je peux pas me présenter à l'hôtel et me tenir droit à côté de Gladys. Et pendant ce temps-là, bah, tous mes frères se feront incriminer pour un crime qu'ils n'ont même pas commis. Et tu veux faire comment? Hein? Il n'y a plus de BBT? Surtout que là, avec ça, là, on a encore moins d'effectifs. Putain, c'est encore Lola là qui t'appelle? Non, c'est Jeffrey. Je vais me changer. Bienvenue. Jeffrey. Au courant de ce qui se passe, c'est Liam qui est à l'origine de tout ça. Ouais, bon, manque d'éléments pour commencer. Du coup, c'est Carton qui va prendre demain. Va falloir faire quelque chose, mon petit. Bah, faut vouloir faire quelque chose, mon petit. Ça va, vous deux, là? Ouais, mais tu sors d'où, toi? Ça va, toi, tu cicatrises vite, hein? Ah, ça te fait rire, ça, hein? Ouais. Eh, ça se trouve que c'est elle qui est derrière l'agression de Liam. C'est elle qui est derrière l'agression de Liam. Mais c'est pas le sujet du jour. Ça rentre dans ta tête, ça? Bon, on a quelqu'un à arrêter. Mais avant. C'est quoi ton problème, toi? Je vous réveille, vous deux. Ça se voit que vous êtes en pleine embrouille et on n'a pas le temps pour ça. Demain, il y a une catastrophe qui arrive. Et si on veut régler ça, faut faire la paix. Eh, hey, tu sais quoi, ça se trouve que c'est cette Fatoumata là qui t'envoie, hein? Essaye de nous recoller pour mieux nous niquer, hein? C'est pas ça, hein? Mais quel connard! Hey, écoute, merde, tu vas éviter. Bienvenue, s'il te plaît! Et puis tu sais, dans le fond, là, il a pas totalement tort, hein? C'est quoi l'intérêt pour toi de bosser avec nous? Et ta madame, tiens, elle est d'accord avec tout ça? Qu'elle soit d'accord ou pas, c'est pas le problème. J'ai vu comment tu t'es comporté avec moi. Pas une allusion ambiguë, pas une tentative de drague forcée. Tu m'as traité comme ton égal. Si vous êtes tous comme ça au sein de la BBT, on a peut-être intérêt à travailler ensemble. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça se voit que vous vous estimez et que vous formez un bon duo. Donc, c'est comment? Ouais, ça fera l'affaire. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, voici le plan. Il faut prévenir les gens du danger de cette application. Beaucoup de gens iront à cet événement et il risque d'y avoir plein d'accidents si on fait rien. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ça va être les auditeurs, ils vont être super contents d'enfin avoir la version d'un vrai BBT. Écoute, là en fait, j'ai pas trop le temps aujourd'hui là. J'ai plus un deal à passer avec toi. Comment ça? Bon, en fait, j'ai une annonce importante à faire à l'antenne. Et en échange, par contre, je peux te donner une news sur les BBT. Tu sais, le genre de scoop dont tu peux pas t'en passer. Tu vois. Ah bah carrément, vas-y, on va au studio. Ouais, je te suis. Allez. Nous sommes toujours à l'antenne et nous avons un invité de nom de Black qui a un message à lancer. À toi de jouer. Ok, merci. En fait, j'ai une annonce à passer pour tous mes amis. Lula sera ravi de nous aider à diffuser le message. Espérons qu'on soit écouté et que les gens restent chez eux. Ouais, ils sont au départ là. Ce que je fais? Bah là, je suis en train de chercher l'adresse à Liam. Et dès que vous l'avez, vous débarquez direct chez lui. Et est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé concernant l'application? Croiser les résultats des personnes qui ont un casier judiciaire pour un touchement. Ouais, ça c'est fait.
Moussa aura pour mission de coordonner nos actions. Il devra également retrouver la trace de Liam. Faites gaffe, il est dingue. On ne sait pas s'il est armé, on ne sait rien du tout. Malgré toutes les précautions prises, on ne sera jamais assez sur le terrain. Il est important qu'on considère les femmes comme nos égales. Et pour prouver que la leçon a bien été comprise, on va demander de l'aide à l'Institut Lyoma. Il faut qu'on se coordonne, afin que nous finissions cette mission à 15h, lors du jugement de Carton. Ça va pas avec le maquillage, toi. Mais je vois pas de quoi tu parles. Tu sais pas faire, ça se voit, c'est pas ton truc. Tu me vois avec du maquillage, hein? Non, en même temps, c'est un mec. Ça a rien à voir. C'est juste que c'est pas mon truc, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour toi non plus. Alors apprends-moi pas. T'as pas besoin de ça pour être belle, hein? Madame Dia, j'ai besoin de te parler. Tu leur fais confiance? Oui. On réussira cette mission à une seule condition. Qu'on la fasse ensemble. Stay focused. Yeah. On my music. On my music. This is the night. And again. And again. And again. Ever and ever. Ever and ever. Ever and ever. I stay focused.